Les affrontements ont repris samedi matin à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où des centaines d'opposants ont notamment remis des barricades là où les gendarmes se sont employés à les démanteler. Au lendemain d'une visite surprise du Premier ministre, les gendarmes répondaient par des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes aux tirs de fusée des opposants. Un drone survolait la zone. Il y avait au moins trois barricades en bois ou pneus reconstruites sur la D81, dont une enflammée. Les zadistes reconstruisent une barricade, un survol d'hélicoptère dans la nuit à permis d'observer quatre barricades sur cette route. Une opération de dégagement a été lancée vers 7h ce matin avec deux blindés en tête et quelques escadrons. Les barricades n'étaient pas tenues et pas piégées, selon la gendarmerie. Tirs de cocktail Molotov et jets d'acide. Les forces de l'ordre ont essuyé un tir de cocktail Molotov et jets d'acide sur le chemin de Suez et ont riposté avec des tirs de gaz lacrymogène. Il n'y a pas eu de blessés, point l'équipe médicale des zadistes a évoqué. Pour sa part, une dizaine de blessés dans le rang, alors qu'il était de 250 en début de semaine, le nombre d'opposants est passé à 700 jeudi soir, selon le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie. Nous avions 700 personnes en face de nous, notamment des gens extrêmement violents, de l'ultra-gauche, certains black blocs sont présents ici, le seul objectif, c'est de casser, décasser du gendarme, de blesser, d'agresser, de vandaliser, a-t-il regretté vendredi matin. Lors d'une visite surprise aux gendarmes vendredi, Édouard Philippe a mis en garde contre toute réoccupation des sites évacués tout en gardant la main tendue aux zadistes qui acceptent le processus de régularisation. Faisant le point des expulsions entamées lundi, Édouard Philippe a déclaré que l'ensemble des objectifs que nous étions assignés a été atteint. 29 squats sur 96 ont été déconstruits et leurs occupants expulsés.